Et yo les gens, comment on va? C'est Asgalord et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Shot. Normalement, on est quasiment à la fin, donc là on commence comme d'habitude avec le petit rêve de Nico. Chaud comme rêve. Yep. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est-à-dire qu'on est quand même proche de la fin, on est proche de la tour. D'accord. Oh, un dé. Ok, donc. Du coup, je suppose qu'on va aller là où on avait vu justement cette espèce de tour en croix là. Ah non, ça y est, je me souviens, c'est à l'étage inférieur. S'il y a un avancement avec Maze ou toujours pas. Pas l'air d'avoir bougé. Ok. Du coup. J'ai essayé d'abord d'aller à la tour. Juste.
café, ouais, effectivement. Oh, ce bruit. Ah, le mal du pays. Succès pancakes. Ok, du coup maintenant on va partir pour la tour. Si je me souviens bien, c'est dès qu'on arrive. Ouais, je vois que ça va. C'est la porte ici normalement. Ah, c'est là qu'on descend. Ok les amis, du coup j'ai trouvé quelque chose. Je pense qu'il faut juste fermer la fenêtre en fait. Et voilà. Il se passe quelque chose, mais je lance le jeu du coup. Voilà. Pas vraiment, non. Oui, oui, je suis là. Oui, je suis là. Ok. Ouais, c'est chelou ça. Chelou ça. Je sais pas vraiment ce que je dois chercher.
Ah, peut-être ça. C'est faux. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Est-ce qu'il y aurait pas autre chose quelque part? Non? Ça a pas l'air. Bon. Ok, le jeu vient de s'éteindre. C'est la fin? Non. Ah non, c'est pas la fin. Ah! Alors, je vais vous montrer ce que je viens d'avoir là sur mon écran. Alors, voilà ce que j'ai eu sur mon écran. Et du coup, je vais aller là-dedans. Là où OneShot est installé, et en activant ça, normalement, ouais, c'est bon. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Je parle carrément dans ses rêves maintenant. C'est que je suis là, mon petit Nico. Ah. D'accord. Alors, il y a ça qui est apparu à l'écran. Sauvez mon petit Nico. Je crois qu'il m'en veut. Alors, qu'est-ce que c'est ça maintenant? D'accord. Alors ça, c'est chelou. J'ai la fenêtre qui s'est réduite et qui me laisse là-dessus.
Je vais essayer de trouver ce que c'est et revenir vers vous après. Et re les amis, en retournant sur l'exé de tout à l'heure, là, du trèfle noir, j'ai remarqué qu'il y avait eu un petit changement. Je vais essayer de vous l'afficher. Voilà, ça met une espèce de fenêtre comme ça où il y a en bas une. Comment dire? La marque en négatif du trèfle. Et du coup, je pense que ça indique un petit peu le chemin à suivre. Donc on va voir ce que ça donne du coup. Alors du coup, faut remettre encore une fois le. Hop. Alors faut que je le fasse aussi dans le logiciel. Tac. Voilà. Donc encore. Tac, ce qui nous donne encore tout droit. Bon, ça c'est simple, ça me donne sur la droite. Ça bizarrement ça ne donne rien en fait. J'essaierai bien de retourner en arrière, voir ce que ça fait. Ouais, c'était bien ça qu'il fallait faire du coup. Donc là, en bas. Pareil en bas. Voyons voir ce que ça fait. Je pense que du coup il faut prendre celle tout au bout. Du coup celle de gauche. Je suis désolé parce que je dois un peu jongler entre tout là. Donc, du coup je dirais celle tout au bout. Ah non, c'était pas ça. Donc là, je suis revenu au départ et il me remet la même chose que tout à l'heure. Moins qu'il faille ressortir, peut-être. Non, c'est pas ça. Donc, tac, tac, tac. Et donc, du coup, ici, c'était pas celle de gauche, mais plutôt. Enfin, celle tout à gauche, mais celle-là. Du coup, là, c'est celle tout à gauche. Alors. Je dirais. Celle-là, peut-être? Ouais, c'était ça. Bon, bah là, ça va, il y en a qu'une, hein. Là, du coup. Celle-là. Du coup, celle du milieu. Tac. Du coup, cette fois, je dirais celle-là. Ok. Du coup, celle tout à droite. Bon, là, il n'y en a qu'une seule. Celle juste à gauche là. Alors du coup, hop, celle-là. Alors en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de. J'avais pas vu, mais en fait, il y a un problème par rapport à comment vous voyez la chose et quand moi je la vois, en fait, il y a des petits problèmes d'échelle en fait. Mais à chaque fois, bon, ça, la porte qu'indiquée, c'est plus clair dans le jeu que sur la vidéo, je pense. Voilà, ça, il y en a qu'une. Alors. Ah, c'est un truc un petit peu plus spécifique, par contre. Parce que du coup, faut tracer un chemin. Apparemment.
Et du coup, voilà, là je suis dessus. Vous sur la vidéo, vous, enfin, je serai un petit peu à côté, mais normalement je suis bien dessus. Alors, sachant que, hop, on peut faire ça. Après. Alors. Ok, donc en fait, ça fait ce que là. Je vérifie. Encore deux. Voilà, tac tac tac. Ça monte jusque 2. Voilà. Oups. C'est pas ça? Ah si, mais j'ai fait une bêtise, tac. Non, je vais y arriver. Tac. Non. Voilà. Y arriver. Ok. Juste enlever ces deux-là. Voilà. Et enfin. Oh, je dis ça. Voyons ce que ça donne. Ok, je vais enlever le. Enfin voilà, vous voyez le principe, hein, je vais juste l'enlever parce que du coup, vu que c'est complètement désaxé sur la vidéo, ça sert à rien. Et du coup, il faut aller. Couper. Voilà. Ah non, il y en a encore un. Alors. Ouh, pas simple celui-là. Je monte juste le schéma un peu. Voilà ce que donne à peu près le schéma hein, quand même. Je vais essayer de le mettre à la bonne place. Ouais, ça fait à peu près quelque chose comme ça. Après, c'est la taille qui convient pas, mais. Voilà, en gros, l'idée c'est ça. Alors juste, j'enlève du coup pour vous, ça va vous confondre. Pardon, j'ai pas vu que j'ai pas fait la transition. C'est étrange. Ah si, je vois où il y a un problème. Ah si, je vois où il y a un problème. Tac, c'est ici, y a pas de carré. Voilà. Je vous montre quand même le hexe qu'il est devenu. Alors je suis désolé, c'est un petit peu brouillon, hein, mais j'appréhende à peine le logiciel et enfin, de voguer de l'un à l'autre à chaque fois, c'est pas simple simple. Donc voilà, du coup, l'hexe, il devient ça à la fin. Garder de côté, on sait jamais. Et on va aller chercher. Oula, je suis parti à l'ouest moi. Est-ce qu'il semble être en poule? Eh, c'est mon petit Nico, je suis là. Yeah. Oui, c'est moi.
est-ce qu'on a atterri? Oh, ça sent qu'on est au phare. Ah non. Alors ça, on est revenu au début. D'accord. Ok. Je crois que j'ai juste l'ampoule. Ok, ça fait rien. Là, je peux pas dormir dedans. Et là, si je sors... Ah. Alors du coup je vous montre ce qui est affiché. Tac. D'accord. Il me dit carrément d'exploser la lampe. Enfin, l'ampoule. Ok, il s'amuse maintenant. Oui, je sauverai le monde. Parce que... Plein de portes, mais elles sont toutes fermées, génial. Eh, le fameux. Je sais pas pourquoi j'ai pas du tout confiance en cette espèce d'entité. Du tout confiance. Ouais, je le dis quand même. Je suis quelqu'un d'honnête, moi, monsieur. Cette fois, c'est la fin, le choix décisif. Le cruel dilemme. Alors là, mon cher... Cruel dilemme, cruel dilemme.
renvoyer Nico dans son monde ou restaurer le monde. Ah là là, cruel dilemme. Ouais, je suis joueur, je vais jouer à pile ou face. Non, quand même pas. Choisis son bien. Je pense que ça vaut le coup de sauver le monde quand même. Je suis sûr que cette entité nous ment et qu'il y aura moyen de faire retourner Nico dans son monde malgré le fait qu'on ait sauvé le monde. Exactement, mon petit Nico. Et voilà les amis, c'était donc la fin de One Shot. Voilà, j'espère que la série vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, laisser des commentaires sur ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, etc. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle série. Normalement, je posterai d'abord la fin de Karma Flow et One Shot avant de lancer les vidéos des nouvelles séries que j'ai commencées. Voilà, donc encore une fois, merci pour le soutien et merci à vous tous de me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série. Allez, ciao tout le monde. Ah, au passage, finalement, là, on a un succès lié au fait qu'on a réussi à ressusciter Maïs. C'est cool. Tant mieux, tant mieux.